le calendrier de l'Avent pour plus de joie de l'après. Wouh! Ça déboîte! J'ai acheté des papillotes, mais c'est une par personne. Oh, fais pas ta rabat-joie! Oh là là! Et que chacun ait sa part, surtout. Hein. Oh, c'est pas avec ça qu'on va s'étouffer, hein! Et rappelez-vous que si vous commettez pas de péché, Jésus est mort pour rien. Hein. Voilà, ça c'est bien. Ah, bah y en a plus! Quand je pense au lobby du sucre et du lactose, ils doivent s'en mettre plein les fouilles. Hein. T'as raison. Mais c'est pour ça que j'en prends qu'une seule. Hein. Parce que mon corps n'est pas une poubelle et c'est vraiment très mauvais pour la santé. Hein. Tu devrais pas te coiffrer comme ça. Hein. Eh, on va pas prendre un kilo avec 100 grammes. Hein. Ça, ça sera pour après. Eh, moi je suis pas dans la demi-mesure. Hein. Soit je mange tout le paquet, soit je mange rien du tout. Alors je vous laisse à vos pinailleries là. Hop là, ça c'est bien. Non, mais servez-vous, faites-vous plaisir, c'est important. Moi je n'ai pas besoin, il n'y a pas de souci. Et puis allez-y, hein, vraiment faites-vous plaisir, j'ai plein d'autres gâteaux. Ah, moi j'en veux bien. J'ai lu que les lobbies de l'agroalimentaire, ils mettaient une substance dedans qui nous rend accro et dépendant. Donc je suis pas étonnée que tu puisses pas t'arrêter. Hein. Non, ils nous prennent vraiment pour des cons. L'industrie du chocolat, en ce moment, ça le vend en poupe. Hein. C'est un business sur lequel il faut investir. J'ai eu le nez pour prendre des actions chez Ferrero il y a 10 ans. Laisse tomber l'ascension, quoi. Tu touches pas ça à moi. Ah, mais moi aussi, je suis raisonnable. Hein. Il me faut que de la bonne énergie. Avec les journées que j'ai en ce moment, je peux pas me permettre de faire autrement. Oh, elle est pas comme les autres, celle-là. Bah, t'es pas habillée pour la fête de Noël, toi? Non. Le Père Noël est une adaptation décadente et moderne de la célébration de la naissance de Jésus. D'ailleurs, la légende dit que les papillotes sont nés à Lyon dans le quartier des Terreaux à la fin du XVIIIe siècle, quand le jeune commis d'un confiseur eut l'idée de charmer sa belle, qui travaille juste au-dessus, avec des petits mots d'amour enveloppés dans une confiserie. J'aurais tellement aimé être cette personne à qui il offrait les papillotes. Je suis pas née à la bonne époque, moi. Oh, mais je sais, je vais faire des papillotes avec des messages personnalisés et puis... Je vais les cacher dans la maison pour mon mari et mes enfants. Oh, ils vont adorer. Oh, mais c'est un super concept. Et vous savez quoi? En fait, moi, je vais inventer un calendrier de l'Avent pour les entrepreneurs avec des tips pour monter son business. 24 jours pour atteindre le succès. Ça va cartonner. Il y en a plus? Ah. Non, mais c'est pas grave. Je vais prendre un thé, moi, à la place, du coup. Ça va, il est bien ouvert comme un profil 1. Pas de coin frais comme ça. Hein. Et on va pas prendre 100 grammes avec. Pendant que je la refais. Ah, y en a plus. Donc, je vous laisse à votre pinaillerie. Oh, ça va. Non, mais alors l'autre, elle est tellement radine que si tu la jettes contre le mur, elle redescend avec la tapisserie. Rendez-vous demain pour une nouvelle surprise.